Bonjour, aujourd'hui je vous propose des pancakes à l'américaine. Alors, il vous faut 250 g de farine, 3 œufs, 30 g de beurre pour la recette et 30 g pour les faire cuire. Il vous faut 500 ml de lait fermenté ou de yaourt. Je me rappelais plus si j'avais mis les œufs, mais bon. Il vous faut une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de bicarbonate et une demi-cuillère à café de sel. Alors il vous faut aussi normalement 2 cuillères à soupe de germe de blé. Un petit récapitulatif. Bonjour Grégory. Là, j'ai une petite main qui va m'aider. Donc, on va commencer par mettre la farine. Donc tous les éléments secs, on va tous les mélanger. Le sucre. Le bicarbonate et le sel. Et nous allons mélanger le tout. Après avoir bien mélangé, nous allons mettre le lait. Quand la pâte est bien mélangée, nous rajoutons les œufs qu'on a un peu battus. Voilà. Et nous allons rajouter le beurre. Voilà. Alors la pâte est un peu épaisse. C'est pas une pâte à crêpes, c'est pas une pâte à gaufres, c'est vraiment une crêpe, une pâte spéciale. Donc vous allez la laisser poser 45 minutes et surtout trouver une petite poêle de à peu près 10 cm de diamètre. Quand la pâte a posé pendant 45 minutes minimum, dans la poêle vous mettez un peu de beurre. Nous allons mettre une louche de pancake, de pâte à pancake. Et nous allons laisser cuire. Alors normalement, jusqu'à temps que ça bulle, vous verrez sur l'autre que j'ai fait après l'effet bulle que ça donne. Et après, on retourne. Là, je l'ai retourné légèrement trop tôt. Donc vous voyez l'effet bulle, c'est ça, et là vous pouvez retourner maintenant. Et voilà. Donc avec du miel, du beurre ou lemon curd fait maison, vous pouvez les manger. Merci, abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt. Au revoir.